Bonjour, j'ai une super recette à faire avec vous de crêpes sans œufs et sans lait. Vous allez me dire, la recette n'allait pas bien. C'est vrai que dans les magasins, il n'y a plus rien. On évite de sortir, on rêche chez soi. Voilà, on va la faire ensemble. Vous allez voir, elle est géniale. Allez, à trop! g d'eau, 250 g de farine, du sel, environ 100 à 200 g de beurre, hein, c'est vous qui voyez, de la fleur d'oranger, vanille ou alors du rhum, à boire modérément hein, bien sûr. Donc bah, c'est parti, on y va, en compagnie de mon compas Cook Pro bien sûr, hein. Donc, parce qu'il faut fouetter la crème, la pâte, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, donc je mets le fruit. Vous êtes prêts? Bon, on y va, hein, tout simplement. Je mets la balance. Et je mets 250 g de farine. Oh, ben juste! C'est pas 5 g près. Hein. Moi, je suis gourmande, donc je dépasse toujours un petit peu. On va fermer tout ça. Et au fur et à mesure, on va rajouter l'eau. Alors, on ferme le Cook Pro. Et on va rajouter le beurre. Donc, on ouvre ça. Et on rajoute le beurre. Moi, je mets la balance. Ensuite, je remets la balance à zéro et on remet l'eau. Alors, on va mettre déjà la fleur d'oranger. Hein. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Pour du rhum, hein. Sucre vanillé, extrait de vanille, bah, ce que vous voulez. Hein. Du zeste d'orange aussi, qui est super bon. Zeste de citron aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, j'aime bien la fleur d'oranger, donc je mets 2 cuillères à soupe. Donc, vous pesez 500 g d'eau. Et puis, on va mettre toujours à zéro. On met le temps, on va mettre à peu près, allez, on va mettre 2 minutes. 1 minute 30, allez, 1 minute 30, je pense que tu vas pouvoir aller. 1 minute 30. Et vitesse, on va mettre 2, 3. Et c'est parti. Donc on commence à mettre un petit peu d'eau dedans. On y va. Une fois que tout est mis, on va fermer votre œuf. Voilà. Moi je vais l'arrêter et je vais le mettre un peu plus vite. Test 5. Donc pour bien mélanger. Alors battez pendant 1 minute, je pense que c'est assez. Voilà, on va regarder. Alors pour abattre ce qui est autour. Pour abattre ce qui est autour, continuez à. Voilà, faut continuer à abattre un petit peu quand même. C'est parti. Voilà, d'une minute et demie à peu près. Hein. On sort la pâte, regardez, elle est super belle. Elle paraît liquide, mais on va faire des crêpes en direct avec vous, vous allez voir. C'est parti, on va faire la première crêpe. Moi, je l'ai fait sur une crêpière. Hein. Donc, vous pouvez faire ça aussi dans une poêle si vous voulez, hein, pas de souci. Hein. Regardez, la pâte, elle s'étale super bien. Je suis même étonnée parce que c'est vrai que sans œufs et sans lait, bah c'est top, hein, franchement, très économique encore en plus. Je vais en goûter une avant de vous faire saliver. Elles sont très bonnes, légères et très bonnes. Ça avec une petite confiture, un peu de sucre, alors une pâte à tartiner, je dirais pas la marque, chocolat. Hein, au chocolat. Ou la pistache, c'est super bon. Donc voilà, je vais en retourner une, regardez. Elles paraissent moins jaunes parce qu'il n'y a pas d'œuf. C'est tout à fait normal. Donc dessus, bah, je vais mettre un peu de confiture. Je partage avec mon caméraman derrière. Ouais, on va les goûter. Merci. Mmh. Et moi, je ne vois pas la différence. Elles sont super bonnes. Elles sont super bonnes. Vous verrez, c'est très économique. Ça veut dire que les 8, 3 fois rien. Il faut juste de la farine. Voilà.
faut quand même juste de la farine, de l'eau. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Alors, je ne dis pas. Pas vous en donner une. On va pas sortir. Et j'en mange à votre place. Allez, à très bientôt. Surtout, abonnez-vous. Allez, à très bientôt pour d'autres astuces. Bisous.